comité d'agglo de Rochefort-Océan ait été désigné par l'État territoire d'industrie jusqu'en 2027. Et à ce titre, donc, il y a des actions de promotion de l'industrie tout au long de l'année, avec le point d'orgue de la Semaine de l'industrie, qui est un événement initié par l'État. Et donc il y a des actions avec les partenaires. La CARO coordonne et co-organise avec l'ensemble de ses partenaires plus de 12 événements. C'est leur ouvrir tous les métiers, parce que souvent les jeunes filles se cantonnent à des métiers souvent féminins et les garçons masculins. Et là, leur faire voir que là aussi, dans l'industrie, il y a des femmes, comme il y a des hommes dans les autres corps de métiers, ça leur représente une ouverture beaucoup plus large. Cette année, 150 élèves de 3e, 120 élèves vont avoir la possibilité de visiter au moins une entreprise ou avoir une action avec des métiers, des entrepreneurs. Voilà. On est à plus ou moins à l'équilibre sur la parité homme-femme au sein de nos équipes, que ce soit de production ou on va dire tertiaire. Ça correspond à une diversité de métiers au niveau des accastilleurs, électriciens, menuisiers, plombiers, stratifieurs, finisseurs. Enfin, c'est une vraie globalité et une diversité au niveau des métiers. Et les entreprises recrutent, c'est un secteur qui est toujours en mouvement, en innovation, en modernisation, vers la transition écologique. Donc c'est aussi important de pouvoir accompagner les jeunes, de découvrir les métiers et leur formation pour qu'ils puissent peut-être y travailler plus tard. Un travail impressionnant. Et on ne se rend pas compte derrière un bateau de tout ce qui est fait par chaque personne.